Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre Tetowan avec les numéros 102 et 103. Et on s'occupe de la portière arrière. Numéro 102 et 103 de notre Towan. Les pièces de notre numéro dont on va s'occuper de la porte arrière. Notre pas à pas. Notre résultat fini. Les dessins conceptuels d'SOS Phantom 2. Noté de 101. Notre numéro 103. Avec les pièces de la lunette arrière de l'Etoan. Ainsi que la grille d'aération du haillon. Nos pièces. Notre résultat fini. L'importance des décors, un artiste visuel, les taux 101 avec le parrain, le numéro 104 que l'on verra prochainement avec la vitre arrière. Donc, à la vitre arrière, il y a le loquet. Alors, notre numéro 102, donc déjà par rapport aux portes avant, ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont mis directement l'autocollant. On vient en premier mettre notre poignet juste ici. On le tient par l'intérieur avec une vis AM. On reste côté intérieur, on va venir mettre notre charnière juste comme ça ici. Donc on l'enfonce bien déjà avant à la main, que ça soit à fleur. Et on vient y mettre deux vis RM. Donc voilà pour notre numéro 102. Alors on commence par prendre la pièce B. On vient la courber légèrement, que ça prenne bien la forme ici. Donc là, on voit que j'y suis presque un petit peu. Voilà. On va venir enlever derrière le scotch. On vient coller ça comme ceci. On vient mettre lui du haut, donc c'est pareil, on va le courber légèrement. Et enfin, la pièce C en dernier par ici. On vient ensuite, juste ici, on va prendre notre pièce E, que l'on va venir positionner ici. Et on la tient par l'intérieur avec deux vis EP. Et donc ça ensuite, ça viendra s'emboîter comme ça ici. Comme ceci. Et on verra ça dans un prochain numéro. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!